Pourquoi fermer sa gueule dans un tel moment d'angoisse? Là, on est sur le deuxième compte. J'ai eu peur pendant un petit moment, je me suis dit merde, j'ai oublié d'ouvrir mes coffres. Quel débile. Salut tout le monde, en jeu, dans un plan, on joue à Clash Royale, on va se faire un petit back opening, après on se fera deux petites attaques et après on aura le coffre à couronne, c'est parti! Et c'est parti pour le petit pack opening. Alors juste avant de commencer, là je suis à donf là, hein. Juste avant de commencer, on a des coffres, regardez-moi tous ces coffres là. Oh là là, ça fait plaisir, Bon d'un côté c'est logique, c'est un pack opening. Non mais regardez, on a du coffre géant, coffre d'or, coffre à couronne x2, coffre gratuit, tout ça à reine 8. Bon coffre gratuit c'est pas non plus énorme, mais tout ça à reine 8 et ça fait plaisir. Et le truc, c'est juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai toujours pas eu de super coffre magique. J'ai toujours pas eu de super coffre magique, donc j'espère qu'il va bientôt arriver. Et j'espère aussi, après la mise à jour, donc c'est le 19 que ça commence la mise à jour, donc j'espère aussi gagner des coffres, comment ça s'appelle? On est le 18 aujourd'hui, hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc j'espère que j'aurai des coffres légendaires et des coffres épiques. Ah, ça pourrait être vraiment pas mal à ouvrir, hein. C'est pas énorme, mais t'as forcément une légendaire ou forcément des épiques, donc c'est plutôt pas mal. Et t'as beaucoup d'or aussi. Ça fait du pognon, hein. C'est... Moi je dis pas non, hein. Ah, quand t'as 20 000 de pognon juste en ouvrant un coffre, bah t'es content, hein. Alors juste, on va commencer. Juste que avant de commencer, tu vois, j'avais mal à la tête. J'étais pas bien, fatigué. Et je me suis dit, bah putain, c'est chaud quoi. Vas-y, y a qu'un remède. On met de la bonne zik. Un peu comme celle-là quoi. La petite testicule dans le piège à souris. Bon, ça suffit, monsieur. Allez faire vos cochonneries ailleurs là. Bon, bah allez-y qu'on en finisse. Voilà, ce genre de musique. Tu vois un petit peu le délire ou pas? Voilà, ça c'est de la bonne musique. Franchement, je me demande vraiment comment ils font les gens pour réussir à se booster dans la vie sans écouter ce genre de musique. C'est pas possible. Mon gars, moi je lance la musique, t'attends juste un petit moment que ça commence bien comme il faut, et au bout de 20 secondes, bam, je suis chaud, je suis à bloc, mon gars. Un truc de malade. Ah ouais, mais après moi d'avoir mal à la tête ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que tu veux, mon gars. Je suis à bloc. Ah ouais, mais ce genre de musique, moi ça me... Après, je deviens taré. Bah, après, vous vous demandez pourquoi je suis taré dans mes vidéos. Bah, c'est normal, hein. C'est à cause de la musique comme ça, hein. Ah, bah attends. Ah, il faut aller gronder ceux qui ont fait ce genre de musique, hein. C'est à cause d'eux que je deviens taré après moi. Bon, alors, du coup, on va essayer quand même de faire ce pack opening. Alors, j'ai eu des barbares, si je me rappelle bien. Ça passe. J'ai eu 9 canons. Je crois que c'est ça, 9 ou 8 canons. Un barbare et 9 ou 8 canons. Donc, c'est pas énorme. Moi tout ce qui est bâtiment défensif, j'y arrive pas, franchement j'y arrive pas. J'arrive pas à les placer, j'arrive pas à les utiliser, c'est énervant. Et les barbares, bah ils sont puissants mais je les utilise pas quoi, tu vois. Donc la cabane de barbares, bon ça c'est pareil, hein, tout ce qui est d'exponeur, tout ça, j'y arrive pas. Ouh, 9 esprits de glace, ça, bon, j'utilise pas mais je sais pas, moi je l'aime bien sa tête là et tout, je sais pas, j'aime bien, bon j'utilise pas mais il est mignon, il est genre ça, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi je fais ce que je veux de toute façon, hein. Alors 71, ah oui j'ai pas parlé des ors, oui bon j'ai eu à peu près 60 d'or à chaque fois, donc c'est plutôt pas mal, 71 d'or ça fait plaisir, un géant ça faisait, mais combien de temps je n'ai pas vu de géant, c'est un truc de malade, alors franchement ça fait plaisir, et encore sa tête là tout en joie là, genre le mec il est prêt à geler n'importe qui. Ah je vais te geler ta gueule toi, je vais te geler. Désolé pour le gros mot, c'est pas... Non mais c'est bon, c'est parce que c'est plus intéressant que le gros mot, tu vois, ça faisait marrant, tu vois. Enfin bon, c'est pas très grave, je pense qu'on va me pardonner, hein. J'espère. Alors 72 dehors, ça fait plaisir. Et 2 gemmes. Oh là là. Ça, c'est basique. Mais ça fait plaisir quand même, parce que des gemmes, voilà, ça fait plaisir. Oui, donc du coup, je suis descendu en dessous de 500 gemmes. C'est pas très grave, parce que je suis loin d'avoir 100 abonnés, hein. Enfin, je suis loin, bon. C'est vrai que en ce moment, ça augmente, hein. Yo, on se calme, là, hein. Moi, je suis pas habitué à ce genre de choses, moi, hein. Je m'appelle pas YouTunes, hein. Bon. Non, bah bon, ou sinon, je m'appelle pas... Comment il s'appelle, là, le rire jaune, je crois. Je crois que c'était ça, la chaîne secondaire. Je sais plus, mais je crois que c'était ça. Alors, donc, un sorcier, ça fait plaisir. Et encore 9 esprits de glace. Eh, mais c'est un truc de fou. Pourquoi est-ce que tu me donnes des esprits de glace? Parce qu'on est à Reine 8, peut-être. Oui, effectivement, mais bon, c'est vrai que bon, les esprits de glace, c'est bien beau, ils sont mignons, et voilà, ils sont beaux. Ils sont à moitié défoncés, je sais pas d'où ils viennent, de l'enfer, j'en sais rien. Donc, 160 d'or, disons que c'est plutôt pas mal.
pour un coffre à couronne, hein, pour un coffre nord, je veux dire, parce qu'après, quand tu vas dans les coffres à couronne, les coffres géants, oh, oh, tu pètes un câble, tu pètes un câble. Alors, 5 canons, ça fait plaisir. Non, en fait, pas du tout, je me suis trompé. Esprit de glace, alors là, franchement, tu m'énerves. 18 géants royal. Non, mais là, franchement, je sais pas pourquoi. Je sens que je vais redescendre du... Non, je... oh, si vous me voyez à Rennes 7 la prochaine fois, c'est normal. Hein. C'est parce qu'ils m'ont saoulé. Attends, c'est quoi ces troupes de merde que tu me donnes, là? Et hop, bon, tour à bombe. Ouais, non, je vais redescendre d'arène 7, moi, je sens. Non, mais je sens, parce que là, ça commence vraiment à me gonfler. Bon, c'est parti, on va ouvrir le coffre couronne, après on ouvrira le coffre géant, après on se fera deux petites attaques, et après on ouvrira encore un coffre géant, un coffre couronne, je veux dire. Ah, faut pas rêver, faut pas rêver. Alors, coffre couronne, 471 d'or, mais ça fait toujours autant plaisir, c'est un truc de fou. 4 gemmes, ça veut dire qu'on en a eu 6, ça c'est plutôt pas mal. Et 3 mousquetaires. Ok, ouais, ouais. Bon, allez, on prie, là. Allez, on prie. Allez. Ah, vas-y! Ouais, ouais, si là tu me donnes des épiques. Oh, vas-y, va te faire fou! On va pas finir la phrase, hein. Alors! Eh, mais non! Mais non, mais t'es sérieux là? Oh là là! Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Ah ouais, non, mais bon, toi t'as intérêt à me faire plaisir, mon petit. Si là tu me donnes pas une bonne épique ou un truc de ouf, je te défonce, moi. Je te défonce. On est même pas encore à 10 000 quoi, c'est hallucinant ça, t'aurais pu me donner un petit peu plus, genre 1500, je sais pas, un truc comme ça. Tu vois, c'est un radin, tu vois, ça c'est le radin de base, tu vois. Tu vois, il te donne un petit peu, il pourrait te donner plus, hein. Mais non, il te donne un petit peu, tu vois. Bon alors, c'est... Oh bah voilà, dès le début, nickel. Attends. J'y connais rien en coffre géant, mais c'est pas normal d'avoir une épique directe comme ça. C'est pas normal d'avoir... Regardez bien, moi je dis regardez bien, moi je dis c'est pas normal. Ouais, 23 sorciers et... Connard, on cul de ta mère. Bon, ah, désolé, je suis rendu... Alors là... Bon, j'aurais sûrement coupé au montage, mais... J'ai dit quelque chose qui valait pas. Hein, et un gros mot assez... assez violent. alors, j'ai eu du sorcier, j'ai eu des barbares, et j'ai eu une armée de squelettes. Bon, on épique, y a pas vraiment de troupes qui m'intéressent, franchement. À part peut-être le ballon, le sort de rage... Il n'y a pas vraiment des pics qui m'intéressent. Ouais, mais non, ça va être comme ça. Dès que je serai à une 8, je perds. Et dès que je serai à une 7, je gagne. Voilà. Donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour attaquer. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On est contre Eduardo. Non, il n'y a pas le dos. Mais bon, c'est pas grave. Qui est niveau 8, ça fait plutôt plaisir. Donc, je suis redescendu volontairement d'arène 7. D'arène 8, je veux dire. Bonne chance, mon petit. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le petit archer. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ah, j'hésite là. Est-ce que je mets... Ok, je vois son point de vue. Je sais pas comment je vais faire. Bon, on va mettre le sorcier de glace ici. On verra bien ce qui se passe. Ok, jusque là, je vois, ok, ouais. On va peut-être mettre... Non, j'allais dire on va mettre du cochon, mais non, c'est mort. On va pas mettre du cochon, on va mettre ça. Yeah, allez, jusque là, on est plutôt bon. Là, jusque là, on est plutôt bon. Ah, mon soso qui va mourir. Ah, c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. Moi, je comprends pas pourquoi il s'est passé ça. Je sais pas. Il a voulu sauter du pont. J'ai pas compris. Il s'est suicidé dans la bombe. Pam. Il a fait waouh. Oh là là. Bon. Vous savez quoi? On va mettre les archers. Et puis là, on va y aller tranquillou. Normalement, avec ça. Ouh. Ok. Alors, j'ai compris. Alors, comment on va faire ça? On va pas pouvoir envoyer du sorcier. Bon, moi j'ai qu'un seul remède, hein. La horde de gargouille, hein. Y'a pas de plus, y'a pas moins. Je vois que ça. Ok, y'a moyen que ça tue un petit peu vite quand même. Ouais, c'est bon, ça tue. Yeah, et là on. Oh là là, là on casse la tour là. Oh, il a pas. Ah si, il a des flèches. Et bien. Ah, il a des flèches. Bah c'est dommage. Eh non, je voyais gros, tu sais. Oh, il a pas de flèches et tout, il a pas de flèches. Eh bah non. Il avait des flèches, malheureusement, c'est pas très grave. Mais bon, c'est pas grave, vous avez vu, hein, il n'a toujours pas touché ma tour. Sa tour est presque carrément détruite. J'ai envie de te dire que j'ai toutes mes chances. Hein, donc à part si vraiment je fais n'importe quoi, ça devrait passer. On va faire ça. On va tenter pour voir ce que ça donne. Ok, bon, c'est pas extrême. Normalement, ça devrait plutôt passer. Ah, il est intelligent. Bon, on va mettre ça, histoire de pouvoir casser tout un petit peu là. Non, ça passe pas. Alors, mais pas du tout. Ok, d'accord, bon, bah, c'est pas très grave. On va... Oh, quoi que ça passe, si, ça passe. Ça passe. Wouh. Hey, hey. Ah non, mais attends, il va pas toucher ma tour, hein, c'est mort. Il la touche pas, mon gars. Ah, c'est moi qui te le dis, il ne la touche pas. Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais il la touchera pas, c'est mort. Mais non. Pourquoi tu veux qu'il la touche, mon petit, hein? Donc, il a des flèches, c'est vrai, je me rappelle bien.
Il a des flèches, effectivement. Donc, on va tenter... Ok, je vois son point de vue, mais de toute façon, ça servait à rien ce qu'il a fait, donc voilà. Ok, jusque là, on est plutôt bien. On va envoyer nos petites flèches. Tranquillou, ça passe ou pas? Ouais, c'est bon. Alors, j'ai bien mis en arrière, histoire que ça touche pas la tour, tu vois. Enfin, tu vois, parce que j'ai pas trop envie de détruire la tour avec des flèches, moi, ça serait vraiment méchant quand même. Est-ce que ça passe? Oh oui, ça passe. Oh oui, ça passe. Oh là 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 là, ça passe. Et là, on va lui détruire la tour. T'as vu, je pourrais envoyer du cochon hein, si j'ai envie. Hein. Mais non, j'en vois pas, parce que tu vois, je suis pas méchant. Pas méchant. Alors, toi, je lui montre que j'ai un cochon, que j'aurais pu très bien l'envoyer à droite. Mais non, je l'envoie à gauche parce que je suis gentil. Bah ouais, voilà, je lui détruis avec le molosse de lave, effectivement, la tour. J'avoue que c'est un peu plus méchant que le cochon, mais bon, qu'est-ce que je te dis, moi? Il a qu'à mettre sa tour à bombe avant. Hein. Ouais, c'est de sa faute. Hein. J'avoue que là, au niveau de... C'est vrai que le molosse de lave, bon, voilà, ça reste quelqu'un... Enfin, il fait pas beaucoup de dégâts, mais... Bon, de toute façon, il était mort, qu'est-ce que j'en ai à foutre, là. De toute façon, j'allais l'exploser, le mec, hein. Il arrive même pas à toucher ma tour, donc... Que j'envoie mon molosse de lave ou pas pour finir la tour, c'est pareil. Oh là là, il a qu'à avoir un meilleur deck pour défendre aussi, hein, bon... Bon, voilà, en attendant, on s'est fait plaisir, quand même. On s'est fait plaisir, petite attaque, là. Ça fait plaisir, moi, je vais vous dire à tout de suite pour une deuxième attaque. Je pense qu'on va faire mieux. C'est parti. Mais c'est parti, on est contre Lucky Glow. C'est quoi ton nom, mon gars? Lucky, Jorgensurfy. Wow, c'est quoi ce nom de merde? Oui, je suis vénère. Ah, il m'a saoulé. Avec son deck spawner, j'ai horreur des deck spawners. Ça me vénère, les deck spawners. Ça me vénère. Faut que je gueule parce que ça me vénère, tu vois. Faut que je gueule parce qu'il m'énerve. Ah. Ah, les deck spawners, j'aime pas ça. Ah là là, je te jure, hein. Ah, les spawners, j'ai envie d'avoir une patate dans la tête, là. Oh, niveau 8, quand même, son PK, c'est pas mal, ça. Toi, t'es un bon, toi. Toi, en fait, toi, t'es pas un bon. Toi, t'es un rapia, toi. Vas-y, donnez des cartes. Je veux des cartes. Donnez-en moi. Je veux masse de cartes. Le mec, il a dû demander tellement de cartes, mon gars. C'est un truc de malade. Bon, alors. Ce qu'on va faire, tu sais quoi? Il a utilisé son petit sort de gel, pas de soucis. Non, mais pas de soucis. Ouais, non, mais je comprends ton point de vue, mon petit Maurice. Je comprends ton point de vue, hein. Mais en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais détruire la tour. Oh là là, ça c'est bon, tu vois? Tu vois, ça, c'est bon. Tu vois, le mec, il est content. Il dit 6 sortes de gel et tout. Et puis, moi, j'envoie 2 troupes. Enfin, 3 troupes, effectivement. J'envoie 3 troupes, 3 cartes différentes. Et boum, le mec, je lui pétouse la tête. Et ça, ça fait plaisir, tu vois. Ah, ça, c'est bon, gars. Ça, je suis très, très bon. Je suis très bon pour agenter, c'est le médecin qui me l'a dit, hein. Oh là là. Eh, franchement, ça, c'est bon, ça, tu vois. Ça c'est bon. Est-ce qu'on va envoyer la Valkyrie? Valkyrie, sorcier de glace, on va lui montrer un petit peu qu'on a du punch. Sorcier de glace, mon petit. C'est pas rien, sorcier de glace. C'est pas comme si c'était c'est pas comme si c'était un sorbet de glace, non, c'est un sorcier de glace. C'est différent. Ouais, j'ai jamais fait ce jeu de mots, hein. Et franchement, pas mal. Sorbet de glace. Ah, mais il fallait le trouver, hein. Ah, le sorbet de glace, quoi. Ah, c'est pas un sorcier de glace, c'est un sorbet de glace. Oh là là. Oh, mais celui-là. Ah, mais il est épique, hein. Ah, mais il est épique. Mais un point, mon gars. Oh, je te jure, c'est... Wow. C'est la fête... C'est la fête à... Je sais pas qui, hein. C'est... Oh. Un truc de ouf, hein. Ce qu'on va faire... Donc, lui, il envoie des comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle, d'ailleurs. Le PK qui meurt pas, bien entendu, hein. C'était un peu logique. Donc, il envoie des... Des missiles, machin, pour finir les tours. Pas de soucis, ok, j'accepte. Mais moi, j'envoie du cochon pour finir les tours, mon petit. T'as le démon, là, hein, ça te fout le seum, hein. Ce qu'on va faire, on va envoyer ça. Regardez-moi ça, en 2 secondes chrono, elles vont tous mourir. Zop. Mais pourquoi elle a mis 2 ans à venir, l'autre, là? Ah, c'est Valkyrie, alors? Ouais, c'est parti, on envoie ça, hein. Pff, on envoie le taf, hein. On va pas s'embêter bien longtemps, hein. Tu penses bien que, bon... Voilà, alors, ça passe... Ah non, ça passe pas, là, le sorcier de glace, il s'est fait... Oh, mais il est encore en vie, le sorcier de glace, t'es sérieux? Mais non! Et en plus, elle meurt! Mais c'est la fête, aujourd'hui, c'est pas possible! Mais aujourd'hui, c'est la fête, mon gars, c'est Alibaba, aujourd'hui, ça se passe comment, là? Là, je viens de découvrir une grotte,
avec tout plein de bonheur dedans. Bon, normalement, ça devrait passer. Regardez-moi ça, ils se font même pas toucher. Il est mort. De chez mort. Regardez-moi ça. Oh là là, il a plus aucune chance. Plus aucune chance. Oh, mais what? Mais what? Mais what? Comment je lui ai explosé? Mais ouais, j'ai trop bien joué, gros. Merci, merci, merci. Franchement, je m'envoie pas des fleurs, mais merci, hein. Oh là 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 là. Bon, j'avoue que j'aurais bien voulu avoir un petit super coffre magique, ça m'aurait pas vraiment dérangé, tu vois. J'aurais dit, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Franchement, c'est dommage, hein. j'aurais bien aimé. Malheureusement, c'est pas le cas, c'est toujours pas le cas. Ah, c'est dommage. Bon, en attendant, on s'est fait deux petites attaques. Maintenant, on va passer au coffre à couronne. C'est parti. Allez, c'est parti, on va ouvrir ce petit coffre à couronne. J'ai extrêmement mal à la tête, mais je m'en bats les steaks, gros. Faut gueuler quand on a mal à la tête, faut gueuler. Mais ouais, faut gueuler. Oh là, truc de malade. Oh, alors, 450 d'or, mon petit. On est à 10 400 won. Et or. Gold, si tu peux faire. Voilà, histoire de continuer dans l'affilée de l'anglais. Deux gemmes. Ça va. Franchement, on a eu 8 gemmes en tout. Là, ils ont pas été trop radins. Ça va. Parce que des fois, tu sais, ils donnent genre 2 gemmes, voire même 0 des fois. Hein. Mais genre, des fois, ils donnent 2 gemmes, 4 gemmes. Ah, c'est pas beaucoup, tu vois. Là, c'est 8. Ça va, c'est raisonnable. C'est plutôt pas mal. 3 mousquetaires. Ça fait plaisir. Et 26 géants royales. Ce qui est plutôt pas mal. Et 26 esprits de feu. Moi, je vous le dis. C'est pour moi. Non, c'est pour Bibi. Petite épique. Bon, c'est sûr, on a eu qu'une seule mousquet. Enfin, on a eu qu'une seule rare. Mais je sens l'épique. Ok, la prochaine fois, je dirai rien. Non, je me tairai. Moi, je vais pouvoir aller me coucher tranquillou. Là, j'en peux plus. Hein, il doit être 20. Oh, ah ouais, 21h30 en fait. 21h30. Oh, 22h. Mais il est 22h, gros. Bon, et moi, je vais... Oh, franchement, je vais vous laisser sur ce. Demain, je me lève à 6h du matin. Tu penses bien que 22h, ça fait un peu tard, tu vois. Donc, surtout que je mets du temps à dormir. Enfin, bon. Moi, je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao, et puis nos pères. Restez cool.